Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Mes auditeurs et auditrices de Radio Maria, joie pour moi de vous retrouver pour ce Préparons dimanche. Nous sommes dans le 14e dimanche du temps ordinaire et que l'Esprit Saint vraiment touche notre cœur à l'écoute des paroles que le Seigneur va nous adresser maintenant. Je suis le Père Mathieu Ray, directeur éditorial de Radio en France, et je vous retrouve tout de suite après la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné, c'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Psaume 122. Cantique démontée. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques de José, de Jude et de Simon Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Chers frères et sœurs, comment ne pas être interloqué par l'Évangile Je voudrais commencer avec vous, et eh bien, à me poser les questions. Jésus se rend à Nazareth et ses disciples sont avec lui le jour du Shabbat. Il enseigne dans la synagogue et les auditeurs sont frappés d'étonnement. Il disait d'où cela lui vient-il, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous Ils étaient profondément choqués à son sujet. Comme aujourd'hui encore, il y a des personnes qui pensent. Et qui interprète ces paroles comme voulant dire que Jésus avait des frères et sœurs de sang. Alors je m'adresse à un public africain qui est plus facile, à, qui comprend plus facilement les choses que parfois certaines théories bizarroïdes qui viennent de mauvaises interprétations de l'écriture. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, m'attarder avec vous sur cette question. Jésus de Nazareth avait-il des frères et sœurs Nous avons entendu dans l'Évangile, Matthieu aussi en parle, Luc aussi mentionne au chapitre 8 et dans les actes des apôtres, les évangélistes sont donc unanimes, Jésus avait des frères et des sœurs. Mais il nous faut bien voir, que le terme grec utilisé dans les Évangiles pour désigner les frères est celui d'adelphoi. Il peut signifier soit une parenté charnelle ou bien un lien de parenté que l'on peut traduire par cousin. Alors ceux qui pensent que il s'agit d'une parenté charnelle, eh bien rappellent que le terme Anephios signifie précisément cousin qu'il aurait pu être utilisé par les évangélistes. Mais l'Église a retenu le second sens, car plus profondément, c'est la question théologique de la virginité perpétuelle de Marie qui est mise en cause par ceux et celles qui pensent que Jésus a eu des frères et des sœurs de sang. Impossible pour l'Église catholique, et aussi pour les orthodoxes, de penser que Jésus ait eu des frères et sœurs de sang. Ce n'est pas possible. Pour cela, eh bien, il y a deux arguments principaux à retenir. Le premier, à la différence de ses frères, seul Jésus est désigné dans l'Évangile comme le Fils de Marie, personne d'autre, en Marc 6, 3 et Actes 1, 14. Le second est une question. Pourquoi Jésus aurait-il confié Marie à Jean si les frères et sœurs de sang, eh bien tout simplement, avaient pu, ou même auraient dû, la prendre chez eux Ces arguments sont repris dans le catéchisme de l'Église catholique, qui affirme au numéro 499 et 500 ceci, je cite, l'approfondissement de sa foi en la maternité virginale, a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la toujours vierge. Alors certains diront, ⁇ Ah, oh, mais l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus !⁇ mais l'Église, encore une fois, a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus, dit Matthieu en chapitre 13, verset 55, sont les fils d'une Marie disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie en Matthieu 28. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l'Ancien Testament. Oui, frères et sœurs, cette expression est à resituer dans le contexte oriental où il est dit que Jésus avait les frères et sœurs, mais non pas d'une manière charnelle. Jésus a les frères et sœurs d'une manière spirituelle. Par exemple, c'est Jésus lui-même qui affirme que ses frères et ses sœurs eh bien, sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Ceux et celles qui font la volonté du Père. Et nous voilà précisément dans ce cas de figure, dans l'évangile selon sa marque que nous avons entendu aujourd'hui. Jésus, il fait la volonté du Père. Il n'est pas là pour plaire, il n'est pas là pour euh, caresser dans le sens du poil ceux et celles qui attendent des jolies paroles, qui iront dans leur sens, mais qui ne provoqueront pas de conversion. Jésus est comme ces prophètes de l'Ancien Testament, ou précisément mieux que les prophètes de l'Ancien Testament. Ézéchiel, magnifique Ézéchiel. Ézéchiel est envoyé, nous l'avons entendu, par le Seigneur, vers les fils d'Israël une nation rebelle qui s'est révoltée contre le Seigneur. Tu leur diras ⁇ Ainsi parle le Seigneur Dieu ⁇ Tu ne leur diras pas ce que tu penses, tes opinions politiques, tes idées. Non, tu es envoyé pour dire ⁇ Ainsi parle le Seigneur Dieu ⁇ Combien plus Jésus ne fait que ce qu'il ne voit faire au Père et il ne dit que ce qu'il entend d'auprès du Père. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, cela choque, parce qu'on n'est tellement pas habitué, on n'est tellement pas habitué d'entendre quelqu'un nous parler à partir du ciel. Alors, voilà le grand enseignement pour nous aujourd'hui. Nous qui portons Jésus en nous, nous sommes appelés à parler, à partir de cette communion avec Jésus. Nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous sommes appelés non pas à vivre à partir de nous-mêmes, même lorsque nous sommes faibles, même. Lorsque nous sommes, oui, dans la fragilité, dans l'infirmité, le Seigneur, tout puissant, est capable de déployer toute sa puissance à travers notre faiblesse, comme nous le rappelle le Saint Paul, si et seulement si nous sommes d'accord pour que ce soit sa puissance qui se déploie dans notre faiblesse, sa grâce qui nous suffise, son amour qui passe à travers nous, sa vie, etc. Pour cela, et j'en terminerai, redonnons notre oui au Seigneur pour qu'il soit vraiment le Seigneur de notre vie. Redonnons notre volonté au Seigneur pour que ce soit sa volonté qui se fasse dans notre vie, qui s'opère puissamment à travers nos faiblesses. Nous pouvons consentir à notre faiblesse, à nos limites, si et seulement si nous voulons, nous choisissons que ce soit Dieu qu'il soit Dieu dans notre vie que ce soit sa parole qui s'accomplisse et non pas la nôtre et non pas notre vie notre volonté merci marie de nous emmener sur ces chemins nouveaux merci jésus d'être celui qui nous emmène sur ces chemins nouveaux d'être le chemin des chemins de ciel pour notre terre amen chers frères et sœurs, à l'issue de ce préparant dimanche, et eh bien après ces paroles magnifiques que nous avons entendues, laissez-moi vous donner la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la prochaine fois. C'était Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.